Donc, une fois que vous aurez préparé votre laboratoire pour placer les éléments de la façon dont vous voulez prendre votre capture d'écran, tout ce que vous avez à faire, c'est venir sur l'icône PHET dans le bas et faire un screenshot. Donc, ça fait une capture d'écran. Donc, vous pouvez changer le nom. Donc, je vais mettre le numéro 4. Une fois qu'il est fait, il va être téléchargé. Par la suite, ce que vous allez pouvoir faire pour avoir un peu plus de précision, vous allez pouvoir ouvrir votre image. Puis, une fois que l'image est ouverte, vous allez pouvoir venir agrandir votre image pour être capable de prendre une meilleure lecture au niveau des mesures que vous voudriez prendre là, sur votre image. Donc, c'est la façon la plus simple là, de faire une capture d'écran. Puis ensuite de ça, vous pourriez aussi partager cette image-là avec votre enseignant, l'ajouter dans votre rapport de laboratoire ou quoi que ce soit.